Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est lundi, le lundi c'est unboxing et un unboxing avec la boutique VIP Krusty. Ça y est, je commence à bafouiller. Alors comme vous savez, avec la boutique VIP Krusty, ce sera de la broderie. Il y a aussi d'autres articles sur la boutique. Pour le tricot, pour les petites choses comme ça, mais à chaque fois ça tourne autour du fil. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une broderie, voilà, pseudo Joy Sunday, et deux accessoires. Alors je vais vous montrer déjà les accessoires. Bon, vous les connaissez parce que j'en ai déjà eu plusieurs. D'abord celui-ci, hein, pour faire ces petites bobinettes de fil. Donc là, ce sont... Alors, vous verrez peut-être pas bien la couleur comme ça, mais elles sont bleu ciel. Donc, elles sont en plastique, vous voyez, transparent. Donc, elles sont très bien. Hein. Oh, je suis là. Pourquoi je m'en vais par là? Elles sont transparentes, en plastique, très solides, très fonctionnelles. Voilà. Alors, c'est un paquet de... Il y en a 100 dedans. Et c'est au prix de 3,97 $, soit 3,68 €. Voilà. Ensuite, alors, vous allez me dire encore, mais oui. Un quick snap, voilà. Alors c'est le grand modèle. C'est vrai que, alors au début que j'ai, la première fois que j'ai pris un grand modèle comme ça, je n'avais pas du tout aimé. Je préférais que les quick snap carrés, les 27,9 sur 27,9. Et après j'en ai repris un de grand et puis je me suis dit bah non, en fin de compte c'est très très bien les grands, enfin quand on fait les grandes toiles, voilà, maintenant j'aime bien. Alors les quick snap, il existe plusieurs tailles. Alors les tout petits je les conseille pas, parce que ça va plus vous gêner qu'autre chose. Moi la bonne taille, alors il y a le 20 cm sur 20. Là, si vous avez une petite broderie, enfin pas trop grande, bah, c'est très bien. Sinon, l'idéal, c'est le 27,9 sur 27,9. Je venais de le dire en plus. Et celui-ci, si vous avez des toiles plus grandes. Et celui-ci, c'est un 43,1 sur 27,9. Voilà. Donc, vous allez avoir, je me mets pour que vous l'ayez en entier, vous allez avoir deux grands comme ça. Alors, les bouchons sur les côtés se retirent. Bon, quand c'est neuf, on a un petit peu de mal. Hein. Alors, j'ai même beaucoup de mal. Ouais, quand c'est neuf, on a du mal. Mais après, ça se fait. Oh, j'arrive pas, j'ai mon arthrose qui me fait mal là dans mes mains. Bon, ben j'y arrive pas, j'ai pas assez de force. Et Chouchou est pas là pour m'aider, il est parti faire dodo. Bon, vous le savez, ça boue. Les emboulas se retirent, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est parce que j'ai pas de force ce soir dans mes mains. Après, vous en avez deux petits comme ça, donc ce sera les deux côtés. Et sur chaque, vous avez ces clips. Vous avez ces clips, voilà. Alors, est-ce que vous allez voir... je ne sais pas si vous allez bien le voir. Alors, vous voyez, au bruit, on entend que c'est rayé. J'arrive pas à bien vous le montrer. Attendez, bougez pas. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voyez, il y a des rayures. Voilà, c'est ce qui permet de bien tenir la toile. Voilà. Et au niveau des tubes, donc les embouts, voilà, voyez,
Ça fait comme une fleur. Donc, il y a des petits crans. Et ça empêche, une fois que vous l'avez mis, ça empêche que ça tourne. Et là, vous avez bien vu, ça tient super bien puisque j'ai eu du mal à retirer. J'ai pas réussi à le retirer. Mais là, c'est parce que je manque de force aujourd'hui. Voilà, vous voyez. Donc, vous avez des rainures. Et donc, les rainures, vous allez les retrouver également. Voilà, dans les tubes. Voilà, vous voyez. Bon, c'est en forme de fleur. Et vous avez les rayures à l'intérieur qui vont permettre de bien tenir les embouts. Alors, je vous montre. Alors, moi, je rajoute. Alors, ça, je n'ai pas, eu à cette boutique-là. Hein, mais je vais vous en montrer. Je vais vous montrer une. Voilà. Moi, entre la toile et entre la toile, hop, je vais baisser. Entre le tube, voilà. Là, vous allez avoir votre toile. Je coupe un morceau de feutrine comme ça. Je mets à la bonne taille. Hein, là, il n'est pas la bonne taille. Et je fixe. Alors, on va essayer. Voilà. Bien sûr, moi je le recoupe, hein, je ne laisse pas comme ça. Voilà, donc vous avez votre toile qui touche le tube, vous avez la feutrine et vous avez votre clips au-dessus de la feutrine. Ça empêche, bon, ça n'abîme pas les toiles, hein, les quisnaps, mais bon, ça la protège encore un peu plus. Et en même temps, bon là, hop. Pour retirer, ça va être beaucoup plus facile. Voyez, hop, voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre des petites feutrines comme ça. On en trouve plein, hein, un peu partout. Ça vous permet de protéger votre toile et de, quand vous devez la retirer, c'est beaucoup plus facile également. Donc, il ne vous reste plus qu'à monter votre cuisnap. Voilà. Alors, j'essaierai de vous remettre le lien. J'ai une vidéo que j'ai faite exprès sur les cuisnaps. Donc, voilà. Hop. Vous remettez le deuxième. Voilà, et vous n'avez plus qu'à remettre le dernier. Voilà, et voilà, coucou, votre cuisnap. Donc, vous n'avez plus qu'à y mettre votre toile, votre feutrine. Voilà, si j'oublie pas, je vous dis, je vous remettrai le lien de la vidéo. Voilà. Alors, ce cuisnap en taille 43, 1 sur 27,9, il est à 13,30 $, soit 12,33 € photo. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Ensuite, dernier article, donc c'est une broderie. Bon, c'est une pseudo Joy Sunday, bon, qui s'appelle maintenant Cross Stitch. Donc, c'est un perroquet aquarelle, le Paro 6. Alors, c'est marqué 6 parce qu'il existe plusieurs modèles, plusieurs animaux. C'est un 43 sur 43 cm et c'est un 14 CT. Voilà. Donc, on vous marque ici que ce sont des cotons écologiques. Hein. Donc, derrière, comme d'habitude, vous avez des explications en anglais et en images. Comment utiliser votre kit, pour vos fils, pour le lavage. Puisque c'est une toile estampée. Hop. Voilà. Bien sûr, excusez-moi.
En premier, vous allez avoir le patron en papier glacé. Voilà. Alors, on a combien de parties? On est en 6 parties. Voilà, vous voyez ici. Vous avez le plan. Et vous allez avoir, donc, une première... Regardez-moi cette tête. Il est magnifique. Une première partie ici. Le reste, la deuxième partie ici. Et... là aussi et là aussi. Voilà. Alors, on a ici, ce sera la légende papier. De l'autre côté, c'est la légende qui est sur la toile en tissu. Voilà. Alors, on a 63 couleurs quand même, hein. On dirait pas, mais il y a quand même 63 couleurs. Du point de croix et 1, 2, 3, 4, 5. Et vous aurez 6 couleurs pour le point arrière. Voilà. Donc, quand même 63 couleurs. Alors, je vous montre les couleurs. Après, on va regarder la toile. Elle est souple. Alors, attendez, je veux voir un truc. Oui, c'est ça. Je me disais, mince, il manque un morceau, mais non, 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 je vous rassure, il manque pas de morceaux. Ça va être principalement du bloc. Voilà, regardez. Ça va être principalement du bloc. Non, elle est chouette. Et voyez, elle est pas rêche. Donc, ça, c'est bien. Vous allez retrouver, bien sûr, tout autour. Bon, là, comme il y a beaucoup de couleurs, ça va être tout autour. La légende des couleurs, mais vous l'avez du coup sur papier, parce que si jamais vous mettez, bon, moi les estampés, je ne les mets jamais sur, sur tambour, sur cuisnap, sur un métier, je les brode comme ça, par-dessus, mais si jamais vous vous mettez sur un tambour ou quoi que ce soit, comme vous avez la légende sur papier, bah, du coup ça ne gêne pas de ne pas voir la légende sur la toile. Non, là, elle me paraît très bien. Elle est bien imprimée. Voilà. Bah, écoutez, je vous montre ça dans l'autre sens. Et comme ça, en même temps, on va regarder les couleurs. Voilà. Je vous montre au niveau de l'impression. Alors, surtout, c'est si c'est bien imprimé au milieu. Alors, je voudrais... Bah alors, je voudrais agrandir. Ah, voilà. Voilà. Excusez-moi. Je me pataugeais un petit peu avec mon téléphone. Vous voyez, c'est très, très bien imprimé. Donc, il n'y a pas de souci. Et vous voyez, c'est quand même assez bloc. Hein. Il n'y a pas de confetti. Il est très joli. Alors, il n'y a pas de fond. Le fond ne se brode pas. Donc, ce sera un partiel. Hop. Alors, les couleurs. On va... Alors, hop. On a d'abord nos deux aiguilles, comme d'habitude. Hein, voilà. Et ça va être sur les plaquettes. Alors, on a trois plaquettes cette fois-ci. Ben, il y a beaucoup de couleurs. Hein, donc, voilà. C'est sur les plaquettes qu'on aime bien. Je vous montre. Donc là, vous avez le numéro de la couleur. Vous avez la couleur, la référence DMC et le nombre de fils dont vous avez besoin pour broder. Donc là, quand il y en a deux, bah, vous avez deux fils de 6 brins. Et quand c'est marqué 0,5, vous avez bien sûr un fil entier. Hein, il y a 6 brins dessus.
Voilà, ils ne vont pas vous enlever les brins pour broder. Allez, je vous montre les couleurs. Alors, ça ne va pas être facile, mais on va faire ça au mieux. Voilà. Hop. J'essaye d'attraper toutes les couleurs. Enfin, toutes les couleurs. Voilà. Ça va être très coloré. Bon, c'est pas facile à vous montrer. Hein. Voilà. Allez, on va continuer sur de ce côté-là. Voilà. Alors là derrière, on en a trois tout seul. Je vous les montre tout de suite. Voilà. Et on va retourner les plaquettes. Voilà. Vous voyez, les fils sont toujours aussi beaux, hein, bien brillants, très souples. Et la dernière. Voilà. Donc, on a de jolies couleurs. Ça va être un joli perroquet bien coloré. Hop. Alors, ce petit perroquet, lui, il est au prix de... Alors, c'est un 14 CT. 11,17 $, soit 10,36 €. Alors, la boutique VIP Crostich vous offre un code promo. Voilà, je vous remets l'image en attendant. Vous offre un code promo pour vous avoir 10% sur votre commande et sur toutes vos commandes que vous pourriez passer chez VIP Crostich. Donc, c'est Didith 10. Didith avec une majuscule OD. Voilà, je vous le remets à l'écran et de toute façon, je vous le remets également en barre d'infos. Voilà. Bah écoutez, moi je remercie beaucoup la boutique VIP Crostich. J'espère que les articles que je vous ai présentés vous plaisent. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me donner votre avis, voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.